Laetitia Hallyday a trouvé un acquéreur pour sa maison de Los Angeles. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la veuve du taulier puisqu'elle va économiser chaque mois une belle somme d'argent. À propos de Laetitia Hallyday, a de nombreux projets. Parmi eux, elle souhaitait vendre la maison de Pacific Palisades, dans laquelle elle vivait avec Johnny Hallyday, une épreuve pour la mère de Jade et Joey, qui a eu des difficultés à envisager cette vente. Mais la veuve du taulier n'avait pas vraiment le choix puisqu'elle devait s'acquitter de certaines dettes. C'est ainsi qu'elle a mis en vente sa demeure il y a quelques mois. Comme le révèle Closer, en kiosque ce vendredi 19 février, elle a enfin trouvé un acquéreur pour sa belle propriété pour la modique somme de 14 millions de dollars, soit un peu plus de 11,5 millions d'euros. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour Laetitia Hallyday puisqu'elle va économiser chaque mois. En effet, cette maison lui coûtait jusqu'alors 17 000 euros en assurance et en impôts fonciers. À cette somme s'ajoutent les frais d'entretien. D'ici quelques semaines, Laetitia Hallyday et ses filles vont donc devoir quitter cette maison de Los Angeles. Décidera-t-elle de s'installer avec Jalil, l'espère? Pour le moment, le mystère demeure entier. Elle va toutefois trouver une nouvelle demeure où elle posera ses valises avec ses deux filles. Des vacances de rêve à Saint-Barth avant de trouver son nouveau nid douillet, Laetitia Hallyday savoure ses vacances avec son amoureux. Comme le rapporte Closer, il se trouve depuis le début du mois de février sous le soleil des Caraïbes, hébergé chez un couple d'amis. Ils profitent des moments passés ensemble à en croire les réseaux sociaux. Ainsi, ils ont partagé avec leurs abonnés leur brunch de luxe, à l'hôtel Barrière, le Carl Gustaf, un établissement 5 étoiles. Fruits frais tranchés, cœur de saumon ou jambon truffé, ou encore panna cotta exotique, un régal pour les papilles. Mais les vacances vont bientôt se terminer. En effet, Laetitia Hallyday devra reprendre la direction de Los Angeles le 21 février prochain. Une nouvelle séparation qui s'annonce difficile pour le couple. Crédit photo, Bestimage Let's Block ADS.